La capitale Conakry fait parler d'elle en cette saison hivernale et pour cause, plusieurs routes sont dégradées dans certains quartiers de la ville, ce qui empêche les citoyens de circuler librement et tranquillement dans leurs mouvements. La transversale Foulamadina SOS dans la commune de Ratoma est impraticable depuis des moments maintenant. Une situation inquiétante pour les usagers. Les conducteurs de moto-taxi sont parmi ceux qui sont impactés par le mauvais état de cette route. Quand les clients montent derrière nous, ils nous disent mais toi tu conduis pas doucement là, alors que nous c'est pas nous, c'est l'état de route qui est comme ça là. On part au garage à Saka une semaine, on part là-bas à travers les amortisseurs, tout ça, les pneus, tout ça. On part là-bas à chaque fois. Et aussi à chaque fois ta moto est sale. Vous avez vu l'état de la route, il y a tas d'eau sur la route avec des eaux stagnadas. Il y a pas, la route est tellement dégradée. Quand tu fixes ton prix à travers la route, et les clients vont dire que ah, toi, votre prix là, c'est monté comme ça, c'est comme ça. Tu dis pas ça. Vas-y, on gagne des difficultés à travers les prix. Parce que quand tu dis quelqu'un ici, d'ici jusqu'à SOS 10 000, il va dire c'est pas comme ça. Et ça, c'est trop. Alors que la route n'est pas bonne. Pratiquer le tronçon Foulamadina SOS est devenu un véritable calvaire pour les usagers. De nos jours, beaucoup ont arrêté de le fréquenter à cause de son piteux état. Certains préfèrent faire le contour pour emprunter d'autres trajets afin de pouvoir rejoindre leur domicile et leur lieu de travail. Saint-Michel Yombuno est un riverain. Il décrit le calvaire des usagers de cette route. Malgré la route, là, on ne peut même pas sortir à SOS parce que c'est pas une bonne route. Si tu pratiques la route avec ta voiture, finalement, tu vas avoir des problèmes. Problème de suspension et tu as gâté beaucoup de. On est obligé de sortir sur la grande circulation et monter, contourner jusqu'à arriver à SOS. Si tu vois une voiture venir, il faut t'approcher de loin, sinon elle va te salir. Même si tu es bien habillé, tu veux sortir. Bon, si tu vois une voiture venir, c'est pas que le chauffeur fait exprès de te lancer de l'eau, mais l'état de la route peut faire qu'il te salit. Abdoulaye Ba est aussi riverain de cette route dégradée. Il témoigne que c'est une transversale qui pouvait favoriser la libre circulation des usagers, mais hélas, il nous apprend que l'eau ne tarit jamais sur cette route, même pendant la saison sèche. Toujours selon lui, cette route n'a jamais connu de bitume. Elle est complètement impraticable. Par exemple, à l'heure là, c'est bon. Malgré tout, c'est bon. Mais quand il pleut, c'est une rivière. Quand il pleut, c'est une rivière. Parce que pas de fossé. Pas de fossé du tout. Pas d'accès. Donc, c'est une rivière quand il pleut. Et quand il ne pleut pas, vous voyez l'état, c'est comme ça. Franchement, nous souffrons beaucoup. Elle n'a jamais connu quand même le goudron, mais au temps de CNDD, et le capitaine Dadis, au temps du capitaine Dadis quand même, bon, ils sont venus, ils ont mis la terre quand même, c'était plein, c'était pas comme ça. Et ils ont damé très bien, il restait seulement de mettre la bitume. Donc, finalement, on ne sait pas comment. Ça a été abandonné comme ça. Bon, par suite, maintenant, avec la poussée des constructions, certains fossés sont fermés. Ensuite, maintenant, ça continue comme ça. Quand il pleut, ça se dégrade, ça se dégrade. Les mères de famille ne sont pas en marge de ceux qui vivent le calvaire de cette route dégradée. Leur déplacement pour aller au marché est une autre souffrance qu'elles disent traverser au quotidien. Maman Rose habite Foulamadina depuis plus de 7 ans maintenant. Elle raconte la souffrance des femmes au marché du quartier. Pour nous, les personnes âgées, les reins, tu ne peux pas. Et si tu essaies de marcher à pied, vous voyez ce que ça fait? Complètement dégradé. Il y a des belles maisons, il y a des voitures, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'ils attendent. Et s'il faut que le gouvernement vienne faire tout ça là, à la place des habitants, des autochtones qui ont construit ici. Vous voyez ce que ça, nous traversons. Ça nous coûte énormément. À l'aller, au retour, de là jusqu'à Flamadina, c'est 5 000 francs. À l'aller, au retour, 5 000 francs. Est-ce qu'on peut trouver ça tous les jours? Donc, c'est le calvaire que nous traversons ici. Nous souffrons en été, à l'hivernage, c'est pire. Et quand il pleut ici, on est obligé d'attendre au marché là-bas, à partir de Flamadina, jusqu'à ce que les taux de ruissellement diminuent pour pouvoir grimper. Sur la transversale Foulamadina SOS, seuls les quelques conducteurs de moto-taxi qui y passent.
C'est un tronçon d'environ 2 km d'après certains riverains. Son mauvais état fait peur à beaucoup d'usagers. Cette route dégradée se situe entre des marchés à certains endroits et entre des maisons habitées à d'autres. Et pendant notre constat, nous avons trouvé des jeunes en train de faire des exercices de football en pleine route, comme pour dire que ce tronçon est pour le moment moins pratiqué par les véhicules et motos.